monde, c'est Ulti, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le défi numéro 3 de la sorcière du rêve. Donc directement on est parti, défi numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas plus d'un héros, peuvent mourir et sorcière du rêve. Ok d'accord, et on a sorcière et chef d'imposé. Donc chef c'est pas mal, c'est pour ce coup-ci. Comme d'habitude on va partir avec le chevalier noir, la prima donna. Et est-ce qu'on part avec Reine des Neiges à nouveau? Reine des Neiges hier a plutôt bien fait le taf. On va partir avec Reine des Neiges, on va tester ça comme ça. Let's go. Phase 1, donc on a le veilleur des nains et des taupes chamanes. Ok, bon ça va. Ça va pour l'instant, pour la première phase, ça devrait aller. Par contre du coup, chevalier noir qui est du coup un rang au-dessus là. Est-ce qu'on a sa compétence qui les réanime? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu peux soigner la sorcière s'il te plaît? Ok, bon, tu te laisses un peu... Allez, là. Ouais, tu heal 2 secondes après. Bon, c'est pas grave, on a claqué prima donna. On a claqué le super prima donna, mais bon, je voulais quand même conserver sa compétence au chevalier noir. On va mettre un coup de gel. On va en mettre un tout le long. Est-ce que tu peux soigner? On va refoutre un coup de stun. Ok, ça soigne légèrement. Un peu ça timide, là. On va envoyer un coup de prima donna. Niveau d'épaisse, c'est pas trop ça. Est-ce que... Non, j'aurai pas le temps. Ah, quoique. J'ai le temps de soigner. On a tanké du coup le super du gardien des forêts. J'aurais dû le stun très légèrement. J'ai pas été assez réactif parce qu'il a envoyé son super. J'avais eu le temps d'envoyer un coup de sorcière pour le stun à ce moment-là. Mais j'ai pas été assez réactif. Voilà, la sorcière Kayle. Du coup, on conserve... L'attaque ultime, enfin du coup sa compétence ultime, on va dire entre guillemets, du chevalier noir qui puisse se réanimer après une mort. Là, oula, on a du monde là. On a veilleur, enfant de lumière, gardien, écuyer et quelques nains et quelques taupes. On va essayer de défoncer l'écuyer parce que c'est lui qui apporte un heal à la team, hein, vraiment. C'est lui qui apporte le plus à la team, je trouve, en termes de heal. Donc on va essayer de le geler au maximum là. Allez, ok, on va renvoyer un coup. On essaye d'alterner un peu les supers qui puissent stun. On va heal, parce que là je veux pas trop compter sur la sorcière du rêve, même si elle vient de heal à ce moment là. Là, ah il a utilisé sa compétence de soin je crois, ouais. Il a utilisé sa compétence de soin le coco, l'étuyer là. Ça a l'air d'aller, le veilleur qui dégage. Ok, donc là on a le gardien qui va utiliser son super, on va prendre la globalité de tout le monde directement. Là j'étais plus réactif, et là on voit directement, je suis moins en danger quand même. Enfant de lumière qui utilise son super, bon il fait pas trop de dégâts, ça c'est plutôt cool. On va essayer de dépop ça rapidement. On va garder la reine des neiges au cas où s'il y a un deuxième super du gardien des forêts qui part, mais à mon avis on va le finir largement avant. Le conserver par sécurité. Et c'est fait. Impeccable ça. Bon, Reine des Neiges, j'ai encore fait le café quoi. Dis chef, hein. Chef ça fait la diff aussi. Donc voilà, troisième défi terminé. Et puis bah du coup on se retrouve demain. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir. À rejoindre le Discord, quel est dans la description. Et puis bah moi je vous dis à demain. Ciao ciao.